Salut à tous, ici Delphi. Donc aujourd'hui, c'est pour un peu en fait tout simplement parler des trucs à suivre pour certaines personnes. Après, je sais pas si y a tel monde, mais j'en ai au moins deux trois ou deux seulement, deux trois quatre, même vraiment pas beaucoup quoi. Mais au moins ces gens, même des nouveaux, la dernière personne qui m'a envoyé ça, c'était une personne qui venait de s'abonner, donc merci à elle de s'intéresser à ce que je faisais avant et ce que je n'abandonnerai pas, je te rassure. Je te rassure. Ouais, y'a. Non, j'ai quoi. Je te rassure, ma chère, je ne sais plus ton pseudo. Je l'ai oublié, j'en suis un peu navré. Parce que j'ai beaucoup de gens. Enfin, j'ai beaucoup de youtubeurs que je suis, donc du coup, les notifications se noient énormément dans les trucs, donc je ne sais plus ton pseudo du tout. Mais en tout cas, je sais que tu as commandé sur un vieux dessin que j'avais fait tout pourri, avec une qualité tout pourrave à l'époque, mais en fait, j'étais dans un autre endroit, j'ai déménagé depuis, et là où je suis, j'ai plus vraiment de place en fait. Pour faire ce genre de speed painting en regardant, en filmant avec l'écran. Par contre, ce qui peut être faisable, bah c'est ça, c'est le speed painting en version ça, en version dessin, en version ce truc-là, tout le bordel de caca qu'il y a. Donc du coup, ça c'est faisable. Je pourrais faire du speed painting, mais vraiment. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Je ne suis gouré, je pense. Je suis en mode quoi là? Ah non, là je suis en mode ombrage en fait, je suis con. Un peu des fois. Hop, attendez, il y a un stud là, non? Non, non. Bon, et tout ce que je vais faire, c'est pour éviter de faire des conneries, je vais quitter et revenir. Voilà. Et c'est pour éviter tout bug, parce que déjà je sais pas d'où vient ce truc là. Ça a rien à foutre là, je pense. Une fois que je cherche où c'est cette histoire, est-ce que c'est ça qui a posé? Non, c'est pas ça. Ah, c'est bizarre ça. Non plus. Non plus. Ah, je sais pas. Ouais, c'est étrange. Cette petite tache là que j'ai. Je cherche. Hein. Non. Bon, ben, c'est pas grave, c'est une tâche qui on ne saura jamais pourquoi elle est là. Il y a moyen de trafiquer, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, en fait, je vous explique. Je n'ai pas abandonné l'idée de dessiner ou de faire des petites vidéos de dessin comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, j'en ferai. C'est pas un souci en soi, ça. Hein. Je vais en faire, c'est toujours prévu, tout simplement. Mais c'est juste qu'il faut me laisser un peu de temps parce que enfin, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, il faut que je trouve déjà l'inspiration. Parce que sincèrement, vu le nombre d'abonnés que j'ai, bah, j'ai l'impression que des gens s'en foutent. Quand c'est pour s'abonner pour des conneries sur des youtubeurs pas très intéressants, je sais pas moi, comme... je sais pas, il y a des youtubeurs qui sont pas très très intéressants. Attention, je parle pas de Squeezie ou de Cyprien. Eux, ils font quand même des trucs qui sont travaillés, donc c'est pas mal. Je parle plus de d'autres personnes. Je sais pas trop les citer, mais j'en connais certains qui ont beaucoup d'abonnés et qui font de la merde. Et c'est ce qui est dommage par rapport à ce que moi je fais. Après, il y a un peu le même principe pour Matt Podcast, par exemple, aussi, que c'est pas terrible ce qu'il fait en général. Donc par exemple ça, mais encore ici il a changé, il commence à faire du contenu soi-même. Après j'ai pas regardé donc je ne sais pas ce qu'il fait donc je peux plus juger vraiment. Ça a l'air d'être stable ce que j'ai vu la dernière fois donc ça va donc je peux plus. Ce qu'il faisait à l'époque c'est pas bien et c'est surtout que je dirais c'est que c'est dommage c'est qu'il y a des gens qui restent le suivre malgré tous les atouts qu'ils ont fait. Je trouve ça dégueulasse donc du coup les gens s'en battent les steaks. Le mec, il a fait de la merde, mais les gens continuent à suivre. Je trouve ça un peu dégueulasse. Il aurait mérité de n'avoir que 20 000 abonnés ou moins un truc dans le genre, quoi. Pas beaucoup d'abonnés parce que il faut mériter ses abonnés. Et moi, pourtant, j'essaie de faire de mon mieux, mais apparemment, peut-être mon contenu n'intéresse pas beaucoup de gens et je trouve ça vraiment décevant. Ouais, je fais pas des choses de ouf. Mais en même temps, il y a peut-être une raison, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas de budget de ouf. Donc je fais avec ce que je peux, donc voilà.
Donc après, voilà, chacun sa façon de faire. Je peux pas faire mieux, quoi, c'est tout. Après, je demande pas de l'argent, je suis pas en train de dire, oh, venez de donner de j'ai besoin d'argent, donnez-moi du fric. Non, de toute façon, je sais, je peux pas, pour des raisons que ça me regarde, je peux pas demander de l'argent de toute façon, quoi qu'il arrive, mais c'est juste que dans le principe, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il y a des gens qui font du travail de ouf, comme par exemple Micode. Je sais pas moi, il n'y a pas que Micode, il y a d'autres personnes qui, je sais plus, Electronic Arts. Ah, quoique des fois il fait des vidéos pas ouf, mais ça dépend, hein, c'est très rare. Et encore, en fin de compte, des vidéos pas ouf, je les aime bien. Donc pour moi, c'est quand même sympa. C'est juste que le fait que ce genre de vidéo, rarement, ça peut peut-être pas forcément intéresser certaines personnes. Mais le fait qu'il y a assez de monde, bah, du coup, bah, il est intéressé, les gens le suivent et ils sont intéressés à ce qu'il fait. Et du coup, c'est top pour lui, je suis hyper content pour lui. Pour ça, c'est top, méga groupe, j'allais dire. C'est génial, quoi. Mais sinon, en général, c'est... Pourquoi ça veut pas s'effacer, cette connerie? Bah, j'ai un souci avec ce truc-là, ça veut pas partir. Non, c'est bizarre. Ouais, je sais pas d'où vient cette ombre de colo, c'est moche. Bon, en tout cas, voilà, en bref, c'est pour vous dire que je n'abandonne pas le dessin. Après, comme bien sûr, je ne suis pas en train de cracher sur ces youtubeurs, je m'en fous un peu. Ils ont plus d'argent que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, ils savent mieux avoir du meilleur contenu, déjà, quoi qu'il arrive. Oups, je fais de la merde, là. Je remarque ça tout de suite. C'est pas ce que je voulais. Hop. Ah oui, comme un con, voilà, c'est fait. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est pas ce que je cherche, c'est pas faire du buzz ou quoi, je m'en fous. Enfin, c'est surtout que de toute façon, ça marche pas, le buzz. Faut vraiment être connu, il faut vraiment faire des sales choses derrière pour attirer l'attention et pour faire du buzz. Ce que moi, je ne ferais jamais. Par exemple, il y a des gens qui s'amusent à... Allez, comment on appelle ça? Qui s'amusent à commander sur les autres chaînes. Ils sont pas méchants, hein, ils sont gentils, mais ils viennent demander, viens t'abonner, ou ils essaient de faire des références de je sais pas quoi pour dire, ah ouais, regardez, moi je fais des... Ils attirent l'attention d'une telle façon pour que vous vous abonnez à eux. Et moi, sincèrement, j'ai jamais su arriver à faire ça parce que je ne supporterais pas de faire ce genre de choses-là, il n'y a rien à faire. Et du coup, peut-être que les autres youtubeurs, même Micode et tout ça, ont fait ça, hein. Je sais pas, je ne sais pas du tout, je dis peut-être. Mais moi, non, je n'arrive pas à faire ce genre de choses-là, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas. Psychologiquement, j'arrive pas. C'est comme si tu étais une femme de joie et que tu te vendais, quoi. Et que moi, ce genre de truc, j'aime pas non plus. Après, ils font ce qu'ils veulent, les femmes de joie. Mais je me comprends, quoi. C'est le genre de choses que moi, je ferais jamais, quoi. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est comme ça, vous savez que c'est pour ça que j'ai peu d'abonnés. C'est aussi parce que... Je ne fais pas ce genre de choses. Oups. Ce genre de vidéo où j'attire l'attention. Enfin non, là je parle pas de vidéo. Ce genre de commentaires, excusez-moi, je m'embrouille. Donc les commentaires, comme j'ai dit, genre, ah, venez vous abonner, j'aime bien, je fais ça. Non, non, ça m'énerve les gens qui font ça, sincèrement. Je ne supporterais pas de faire ça, je peux pas faire ça, moi, vu mon état. Donc, oui, je suis un gros caca. Bon, au moins, ça m'évite de faire ce genre de truc parce que j'aime pas, c'est tout. Je trouve ça débile de faire ce genre de choses. J'aime pas. Ouais. J'aime pas, c'est tout. Je supporte pas faire ce genre de truc. C'est tout. J'ai rien d'autre à. J'ai pas à me justifier. Je sais pas comment les gens font. Après, les gens. D'accord, je parle très bien français, comme vous avez vu. J'aime pas ce que les gens font dans ce sens-là. Après, je sais pas comment ils font. Personnellement, ils sont doués quand même d'arriver à faire ce genre de trucs. Vraiment, quoi. C'est GG à eux s'ils arrivent à faire ce genre de... Par contre, cet effet de truc m'énerve, ce petit truc. Je sais pas d'où il vient, mais c'est énervant. Je sais pas comment ils font. Point barre. C'est tout. Je sais pas comment ils s'y prennent. Comment ils font pour ne pas avoir de race, comme on dit. On pourrait dire ça comme ça, en fait. De se dire, oh, je m'en bats les couilles, j'ai pas de pudeur, quoi, là. Ils ont pas de pudeur.
Bah écoutez, tant mieux pour vous, hein, si vous n'en avez pas, mais moi je sincèrement, c'est un peu au niveau pudeur, moi que je dis ça, c'est un peu comme si tu te vendais. Enfin, je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas ce genre de truc. Je n'y arrive pas et je supporte pas de faire ça. Je trouve que ça fait un peu gamin, un peu gars qui cherche des amis et ça m'énerve. Donc je le fais pas. Après, peut-être que j'ai tort et je devrais peut-être le faire, je sais pas. Mais c'est pour ça qu'en fait, en général, c'est mieux que c'est des gens qui le font, qui partagent. Mais comme je sais que les gens qui regardent mes vidéos s'en battent les steaks, je suis désolé les gens, mais vous regardez juste parce que vous trouvez ça peut-être éventuellement sympa ou pas, même peut-être carrément pas. Mais vous partagez rien du tout, je suis désolé, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, si vous êtes peu, en tout cas, pour ceux qui le font, merci vraiment. Mais je pense que vous le faites pas tous. Pourquoi? Parce que je le demande pas. Mais c'est ça le problème, justement, je demanderai jamais. Donc du coup, tant pis, ça n'arrivera jamais, que les gens vont jamais partager à cause de ça. Mais c'est sûr que je vais jamais moi-même demander de faire un partage, parce que ça, encore une fois, ça m'énerve. C'est le genre de choses que je supporte pas de faire. Putain, j'arrive pas à régler ces soucis de... On va un peu faire disparaître cet effet bizarre. Ah, c'est peut-être un peu mieux déjà. On va coloriser et cacher un peu cet effet de l'ombre bizarre. Voilà. Donc ouais, je supporte pas faire ce genre de choses. Il n'y a rien à faire. Voilà, c'est tout, quoi. C'est simplement ça, en fait. J'aime pas. Je sais pas. Je peux pas faire ce genre de choses, moi. Attendez, je suis en train de régler des trucs. C'est quoi ça? C'est bien de là, on est d'accord. Même pas. D'accord, j'ai dans le cul. Ok, c'est parfait. Donc voilà, comme ça vous êtes un peu au courant de ce que je, pourquoi je ne fais pas de pub, par exemple, comme les autres, et que du coup, éventuellement, ça pourrait attirer plus de monde. C'est rien que pour ça en fait. C'est juste que les gens en soi ne s'intéressent pas trop à mon contenu. Après, je peux pas les obliger. Hein. On n'oblige personne de toute façon, quoi qu'il arrive. À moins de faire du putaclic ou de la manipulation, parce que c'est souvent des gosses qui suivent les sur YouTube et du coup les gens en profitent. Et ça, sincèrement, c'est malhonnête. Je trouve ça vraiment malhonnête de la part de ces gens. Et moi, je le fais pas, je suis quelqu'un d'honnête. Donc du coup, ça marche pas. Ouais. Ça restera comme ça et quoi qu'il arrive. Donc comme ça, vous savez pourquoi ma chaîne ne décollera jamais. C'est parce que les gens s'en battent les couilles. Hein. Ça les intéresse pas le dessin, c'est tout. Faut avoir un niveau hyper élevé en dessin comme Kei, Sun Shuday ou d'autres personnes que je ne citerai pas parce que je vais pas citer tout le monde. Il faut avoir un niveau de ouf pour vraiment attirer l'attention, sinon les gens s'en battent les steaks. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça que fonctionne la popularité. Ou alors il faut faire des dessins, il faut faire peut-être éventuellement des ventes. Et moi je peux pas me permettre de faire ça pour l'instant. Donc en bref. Du moment que tu veux pas faire ce genre de choses, t'es un gros caca pour les gens et du coup tu sers à rien et tu n'intéresses personne. C'est tout. Donc c'est dommage, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Et c'est vraiment triste. Ça, c'est clair et certain. Par contre, j'ai un souci. Pourquoi ça. Non, non, ça dépasse pas, c'est parfait. Non, j'ai rien dit. Je disais du caca. Non, parce qu'on est d'accord que si au bois rouge, je fais pas de bitourage. Oui, voilà. On est d'accord. Bon, par contre, j'ai pas compris pourquoi ça fait ça, mais. Ok. Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est bizarre. Ça, c'est voir en fait sans. Non, pas celle-là. Sans la non plus. Il est où linéaire sans, en fait, sans le truc en fait. Là vous avez plus du tout le linéaire. Oups, pardon. Donc si on retire tous les linéaires, ça fait ça en fait. Voilà, comme ça vous voyez un peu dessin sans linéaire en fait. C'est un peu moche, j'avoue. Oups. Hop, on va. Non, c'est pas ce que je veux. Je voudrais juste remettre le linéaire. Merci. C'est gentil. Petit truc. Il est où mon calque? Il est là. Ouais, c'est bon, c'est ça. Enfin voilà, en bref, c'est ça quoi. C'est soit. Qu'est-ce qui se passe encore?
Mais d'accord, mais moi je veux. Oui, avec gouillé, ça, c'est celui-là que... Non, pas celui-là. Oui, mais non, c'était pas ça que tu l'avais gouillé. C'est celui-là. Bah alors, montre-toi, espèce de grosse merde. Pardon. Donc voilà, en bref, c'est ça en fait. Les gens s'intéressent qu'aux. À ceux qui sont connus et qui ont beaucoup. Qui savent vraiment investir en fait dans ce qu'il faut pour attirer avec YouTube et tout ça. Et ceux qui n'ont pas le moyen, ben, ceux qui ne sont pas connus et qui n'ont pas les moyens de le faire, ben, ils l'ont dans les fesses en fait, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça YouTube, il faut le savoir les gens. C'est que YouTube ça fonctionne que pour ceux qui ont de l'argent et qui savent payer. Ou qu'ils ont un tweel. Je sais pas comment on appelle ça, un filon en fait. Donc ça veut dire pour être connu et je sais pas, imagine, c'est un exemple que je donne. Imagine que je connaîtrais un gars de trash, je sais pas qui, hein, c'est un exemple. Je sais pas qui, hein, là c'est vraiment un exemple hyper concret. Je connais personne, j'ai pas d'amis dans n'importe quel youtubeur, j'en ai aucun. J'ai bien un ami qui s'appelle Sirius, mais c'est pas vraiment un ami dans la vraie vie, c'est juste un ami comme ça, mais et encore, je sais pas si on peut dire un ami, parce que je le connais pas dans la vraie vie, il est cool et tout ça, mais c'est pas vraiment un ami dans le sens que je le connais dans la vraie vie, donc voilà, c'est vraiment pour dire. Mais en fait, c'est plus en fait un pote de YouTube en fait, voilà. J'ai son Facebook et tout, mais c'est pas pour ça que c'est un ami proche, quoi. Après, ça ne me dérangerait pas de le rencontrer en vrai, pouvoir qu'on fait... j'arrive pas à parler, merci. Qu'on puisse faire des sorties entre potes. Mais bon, pour le moment, apparemment, j'ai vu sa vidéo, il y a des petits problèmes, le pauvre. Donc, il va arrêter YouTube pendant un petit moment. Donc là, je parle d'un pote qui s'appelle Sirius HD. Donc un pote, après peut-être qu'il va me dire ouais mais non en fait je suis pas ton pote, je suis juste un simple, c'est juste un abonné. Donc là je me ferai encore plus casser en me disant bah ouais, ça prouve bien que en fait ces gens là n'en ont rien à foutre. Donc je pense être son ami, mais après ça se peut attention, son ami comme ça, un ami simple comme ça, enfin une connaissance, on va pas dire un ami, une connaissance, parce que un ami c'est quelqu'un qu'on connaît quand même bien, quoi, je pense, ou un truc dans le genre. Je sais pas, moi, c'est peut-être plus ça, donc je peux pas me permettre de dire que je suis son pote, parce que je le connais pas en vrai, et je serais... là, je fais de la merde. Donc, c'est compréhensible. Donc, voilà, c'est plus... c'est pas mal cet effet que je fais, là. On va sauvegarder avant qu'il y ait une couille. Oui, parce que je suis parano aussi. Mais vous inquiétez pas, je risque rien, j'ai acheté la version MediBand Banco. Ce que je fais à chaque fois, c'est ça, enregistrer en local. Donc là vous voyez tout ce que je fais. Donc là ça enregistre en local. Et ce que je fais après, c'est que je fais enregistrer sous en ligne. Et là ça fait hauteur. Donc je fais par exemple on imagine hop, je fais par exemple ici hauteur merde, je fais de la merde. Deux parce que c'est la deuxième version assemblée. Et hop, là ça enregistre sur le web. Ça veut dire que le truc va être disponible sur tous les sur le cloud. Oui, ça prend plus de temps là parce que ça upload en ligne. Ça va être disponible sur le cloud de Mobizen, quoi. Donc j'évite de perdre tous mes dessins comme une grosse merde. Et ça c'est bien. C'est top méga go, comme on dit. ouais, c'est top de pas perdre ses dessins parce que c'est. Voilà. J'essaie des trucs là. Si vous trouvez ce que je fais est très bizarre. J'essaie des techniques d'ombrage qui servent peut-être à rien. Mais j'essaye, quoi. J'essaye vraiment. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Ça se fait, je fais vraiment du caca. Mais j'essaie des choses. Mais bon. Comme vous avez compris, c'est vraiment... Après, en fait, il suffit de faire ça, en fait, vous voyez. Oula ! L'humidité qui change, ça surprend toujours. Donc, je peux réduire vraiment au plus bas. Donc ici, on va quand même que ça soit assez haut. Quand même, on va mettre à 45%. Oh, je sais pas. 40%, c'est pas mal, je pense. Ah, la luminosité! Petite tablette. Non, mais où? Oui, c'est sur une tablette 3 que je dessine. Hein, sinon, je ferais pas dessiner. Heureusement que j'ai cette petite tablette qui m'aide beaucoup, sincèrement. Elle est vraiment géniale.
Sans elle, je ne saurais pas dessiner des choses si précises. C'est vraiment un appareil, mais... Truc de ouf. Bon, ça coûte quand même 450 euros. Hein. Donc, voilà. Ça fait mal. Mais moi, si je l'ai acheté, c'est surtout pour le dessin. C'est, le gaming, ouais, aussi, bien sûr. Je vais pas mentir. Je vais pas dire l'inverse. Hein. Gaming aussi, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc, écran LED. Hop, il n'y a pas que gaming. Alors, tu pourrais un peu tourmenter, espèce de crétin. Donc là, comme vous voyez, je suis en train d'utiliser la technique du chiffon. Non, c'est pas la technique du chiffon, mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'un peu rendre ça un peu invisible. Enfin, invisible. C'est pas vraiment invisible, invisible. Mais ça rend un peu le truc un peu plus... En fait, de toute façon, là, c'est mal mis. Il faudrait me mettre plus haut. Donc, il faut que j'efface un peu. Il faut que j'efface ça. Je vais recommencer. Bon, ça va prendre 10 ans, mais on va recommencer ça de suite. On va recommencer ça tout de suite. C'est plus là en fait qu'il faudrait le mettre. Voilà. Et plus ici. Hop. Voilà. Après, si ça vous intéresse ce genre de vidéo avec où je fais du dessin comme ça et que du coup c'est pas intéressant parce que je fais du dessin et que ça n'intéresse personne, bah, je pourrais le faire ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de vidéo. S'il y a personne qui regarde, quoi, ça sert à rien. Autant faire ça dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, de toute façon. Faire ça dans mon coin, tranquillement. Et c'est bon, quoi. Je me casse pas le cul à faire de l'enregistrement. C'est logique, vous allez me dire, parce que je vais pas commencer à faire du dessin, enfin, faire ce genre de choses, s'il y a personne qui me suit ou il y a personne qui s'intéresse à ce que je fais. Donc voilà. Donc comme ça, vous aurez vu un peu où j'en suis, ce que je suis en train de faire et tout ça. Je fais un peu des trucs bizarres, du dessin, voilà. C'est comme c'est des ombrages bizarres que je fais. Je testouille, en fait. Enfin, voilà. Donc je vous dis un peu plus et à une prochaine fois. Donc ce dessin, bah, je continue, c'est très très français ce que je dis là, c'est magnifique. Ah, c'est long. Hein. T'es sûr qu'il n'est pas en train d'enregistrer sur le cloche ce con? Non, non, c'est normal apparemment, c'est normal. La vitesse de l'enregistrement, sa façon de faire des enregistrements aussi long, c'est apparemment normal. Donc ici, en fait, je dois aussi encore repasser dans certains endroits. Vous voyez, là, le linéaire a disparu. Et en fait, là, bah, c'est ici, en fait. C'est le linéaire F que j'utilise. Vous voyez, hop. Ah, c'est bizarre. Ah, mais non, il est là. C'est celui-là que j'ai utilisé pour ça. Vous voyez la différence? Voilà, hop. Vous voyez? Donc celui-là, il est verrouillé, il est fait. J'en ai mis un deuxième pour recommencer parce qu'en fait, j'ai fait une couille, c'est que... En fait, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai rajouté les moustaches. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais pas toucher à celui-là, je vais en faire un deuxième pour être sûr. Donc celui-là, c'est pour continuer à repasser tous les trucs où on voit que le linéaire est mal fait pour rendre en fait le linéaire beaucoup plus propre. Regardez comme c'est moche. Et du coup, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais rendre le dessin un peu plus propre. Vous voyez ici, par exemple, ça se voit bien. Vous voyez, c'est pas terrible. Le linéaire n'est pas régulier. On voit rien. Il y a même des trucs qui manquent. Et ben, c'est le but. C'est que je vais repasser ici. Je vais repasser tout, en bref, pour rendre tout plus propre que ça. Etc. Et je vais continuer quelques trucs d'ombrage et tout, etc. C'est tout. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Après, je prends du plaisir, hein, j'aime bien ce que je fais là. Oui, j'arrête pas d'enregistrer, c'est... D'ailleurs, j'ai encore fait une fois parce que ça me file des tocs, cette histoire de faire que 2-3 fois. Voilà, comme ça, vous savez ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci, je vais bien. Enfin, de toute façon, je vais bien quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai uploadé une vidéo Minecraft sur ma Shop Cityville aussi entre temps. Mais j'ai encore modifié un truc. Pour régler ou pas, on verra bien, hein. Je verrai à la fin, mais en tout cas voilà, quoi qu'il arrive, voilà, ce dessin là est en cours, il n'est pas terminé,
Après celui-là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme dessin. Je vais peut-être faire du Pokémon. Mais en tout cas, je sais ce que vous souhaitez que je fasse, c'est du speed painting comme ça. Ça, je l'ai compris. Mais ça va être compliqué quand même parce que après, il faut accélérer. Enfin, on verra, on verra. Je réduirai, je mettrai à 25 FPS ou 20, 25 FPS à ce moment-là. Et je mettrai 720 et ça fera après par la suite que quand j'aurai ça prendra peut-être moins de puissance en fait en termes de d'FPS pour la vidéo. Donc ouais, pourquoi pas. Donc je vous dis à bientôt et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo pour un peu dire ce que j'en pense. Et vous dire que voilà, c'est un peu pour ça que j'ose pas aller trop loin dans mes projets, parce que je me dis que ça sert à rien de se casser le cul pour rien. Les gens s'en foutent, enfin voilà quoi. Mais on verra bien, peut-être que je continuerai, peut-être que j'aurai en avoir rien à foutre, etc. Blablabla. On verra bien. Donc je vous dis à peu plus, et à une prochaine fois, c'était Delphiche.